J'espère que vous allez bien. Bon, ben moi j'ai appris une nouvelle choquante. Mais bon, je vous en parlerai après le petit haul que je vais faire. Je vais pas donner les prix. Hein. J'ai pris deux fois le comme ça-ci. Voilà, du rouge et du bleu pour compléter pour faire mes papillons. Hop là. Si je fais tout bouger, ça va pas le faire. Deux paires de faux cuir. Alors, vous avez ces couleurs-ci avec un holographique à chaque fois. Donc, celui-ci. Donc, celui-là, le grain est gros. Et celui-ci où le grain est fin et avec un holographique rose. Et là, c'est du faux cuir style crocodile. À chaque fois, vous savez ça. Je me suis acheté des chaussettes épaisses à 1,99 les chaussettes. Et puis un petit set d'emporte-pièces. Donc, pour commencer à préparer les petits gâteaux de Noël qui se gardent. Et oui, des fois des années. Tout dépend de ce que vous mettez dedans. Alors, les sablés se gardent très longtemps, il faut le savoir. Vous les mettez dans une boîte en fer avec du film papier cuisson. Et ils se gardent mais très 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 longtemps. Voilà, faut le savoir. Le pain d'épices aussi d'ailleurs, mais c'est plus difficile à faire du pain d'épices que des sablés. Et oui. Donc voilà, les chaussettes, c'est des grosses. Ils appellent ça des chaussettes chenilles. Donc, toutes douces, toutes moelleuses pour l'hiver qui arrive à grands pas. Voilà, moi j'aime bien les chaussettes épaisses. Bah oui, parce que j'ai tendance à transpirer des pieds et il n'y a rien de plus absorbant qu'une chaussette épaisse. Donc, je ne mets plus de chaussettes fines, ça ne sert à rien. Été comme hiver, je transpire des pieds. Donc, voilà. Donc, l'été, je glisse dans les chaussures. Comme ça. Voilà. Ah, je suis sans arrêt en train de recroqueviller les orteils. Bon, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai appris que mon père était mort en 2008. J'ai été élevée par mon beau-père, que j'appelle papa. Et mon père m'avait laissé tomber à l'âge de 13 ans. Donc, j'ai appris aujourd'hui que ma mère avait découvert ça avant-hier. Donc, je suis dans un état second. Je suis entre l'ex-fait de si je le vois, j'y crache à la gueule. Et puis, il y a eu les larmes qui sont montées, mais qui sont redescendues très vite. Parce que la rancœur que j'avais. Bah, n'a plus lieu d'être. Donc, oui, j'ai pensé aller sur sa tombe, mais on ne sait même pas s'il en a une. Donc, voilà. Donc, Jackie m'a réconforté, me dit si tu as besoin de parler, si tu as besoin de pleurer, je suis là. Et Jackie pique. Ça fait mal aux lèvres. Dire que j'en veux encore à mon père. Non. C'est du passé. C'est du passé tout ça et.
Ben, c'est l'alcool qui l'a emporté. Voilà. S'il a été malade, c'est d'alcoolisme. C'est pas plus. Ni plus ni moins que l'alcoolisme. Comme quoi, si vous connaissez quelqu'un qui est alcoolique, mettez-le en cure. Voilà. Je sais, je suis passée par là. J'ai été en cure alors que j'étais déjà sevrée. Donc, non, moi j'ai apprécié la cure pour une cure normale. J'ai repris des forces et voilà. Donc, bon, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que à chaque fois que j'étais ivre, je vomissais, donc ça restait pas. Voilà. C'est ce qui a dû permettre le fait que j'en guérisse aussi vite. Voilà. Donc, j'ai un peu joué le rôle de mon père. Donc, je sais dans quel état il était dépendant. Mais moi, c'était surtout un appel au secours, quoi. C'était. Et je suis là, j'ai besoin d'aide. C'était sûrement ça. Alors, excusez-moi, je transpire du visage. Ah bah oui, tout comme mon père, c'était pareil. Transpirer du visage. Et quelque part, bah, je peux pas le renier, j'ai son nez, ses cheveux. Voilà quoi. Et puis on a tous un peu les oreilles décollées avec les masques. Non mais c'est vrai. À moi, elles sont pointues. Je sais pas si vous avez remarqué. Regardez. De chaque côté. Elles montent en pointe. Je suis une fée. Je suis pas la fée Clochette, mais je suis une fée. Non, non. Elle fait moi peur. Bon, je vais arrêter mes bêtises parce que. Non, si j'ai un. Voilà. Comme dit ma mère, paix à son âme. Voilà. Oui, ça va pas être un week-end joyeux. Mais bon, on peut pas refaire le passé. Et puis, bah voyez que vous êtes quand même des premiers. C'est quoi ça? Les premiers au courant. Parce qu'il y a des amis dans les personnes abonnées. Et donc, bah, comprenez que je ne contacte personne. Ou que si j'ai pas le moral, je ne fasse rien. Je ne sais pas si je vais craquer. Je ne sais pas. Franchement, je suis même pas soulagée, même pas attristée. Je suis dans le vague. Le vague complet. Bon, bah voilà. Une page qui est tournée. Et.
oui, j'ai reçu mes soutiens-gorge. Les autres. Et côté sport. Des jolis soutiens-gorge. Sport. Alors, il y en a un violet, il y en a un noir. Ah, il y a mon fils qui essaye de me contacter. Je l'avais appelé. Je vous laisse. Je vous dis à plus.